Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 15 de The Evil Within, donc le dernier chapitre. Alors j'ai mis un peu de temps à le faire, désolé. Enfin j'avais commencé à le faire et j'ai eu un petit problème, donc j'étais obligé de recommencer. Et puis avec mon anniversaire, mes 30 ans, machin et tout ça, ces derniers temps j'ai pas trop eu le temps. Je me suis consacré à quelques autres trucs sur ma chaîne, mais j'avais pas fait l'épisode final de The Evil Within, donc je vous le fais désormais maintenant. Et j'ai choisi une petite solution différente, sachant que j'ai un nouveau casque Turtle Beach. Je m'étais dit que... Qu'est-ce qu'il me fait? C'est moi en plus, je vais me tuer dessus. Je vais me tirer dessus. Ouais, bon. Donc oui, je m'étais dit que le casque direct avec le micro bien près de ma bouche, ça serait peut-être une meilleure solution que mon micro professionnel de base que j'utilise pour faire mes tutos en général, sachant que lui il prend vraiment quasiment tous les sons qu'il peut y avoir dans la pièce, donc je suis obligé de faire quelques petites retouches après pour qu'il n'y ait que ma voix, alors que là le casque c'est un micro bon certes de bonne qualité, mais je pense qu'il va prendre vraiment que ma voix. Contrairement à l'autre casque, ce qui peut être beaucoup plus intéressant pour ce genre de vidéo là. Donc si j'étais amené par la suite aussi à refaire d'autres vidéos dans ce genre là, je prendrais la meilleure des deux solutions et j'ai de fortes doutes que ce sera, à mon avis, ça sera la solution casque Turtle Beach au lieu du micro professionnel. La tête. Ouais, ça va, ouais. On perd la tête là dans le jeu. On perd la tête. Leslie. On perd la tête. Leslie. On perd la tête. Par ici. Mais on va te suivre. Cette démarche de petit enfant qu'il a, enfin, il me fait trop marrer ce mec. Ouais, bah, t'avances vite, tiens, dis donc. Eh, vas-y. T'avances à deux à l'heure, là, toi, il trottine. Hop, il est déjà plus là. Ouais, n'importe quoi. Bref. Plus ça avance dans le jeu et plus vraiment j'ai l'impression que il n'y a rien qui est réel en fait, c'est tout est comme je vous l'ai dit au début dans plusieurs de mes vidéos sur The Evil Within, ce serait un peu un truc à la Matrix, ça m'étonnerait pas. Connectés les uns aux autres et en fait ils sont pas vraiment là quoi. Ce qu'on voit par exemple là, je vois Leslie, mais c'est juste son esprit ou je sais pas trop, c'est un peu bizarre, mais je suis pas vraiment à cet endroit là et que bon, je suis à la base, je dois être dans un espèce de peut-être leur baignoire chelou là. Par ici. Oui, j'arrive. Deux secondes. On va tarder à s'effondrer. Par ici. Eh ben, oula. Laisse-les. D'accord. Bon. Alors, on est où? Ah, bah, juste devant... Beacon. Joseph avait vu juste. Juste devant Beacon, voilà. Je cherchais le hôpital psychiatrique ou un truc comme ça devant l'HP. Beacon. C'est très bien. Et monte. Je
là-bas. Bon. Oui. D'accord. Bon. On va y aller. Bon, pour répondre à un petit commentaire que j'ai pu avoir dans une des vidéos de The Louising. Qui m'a bien fait rigoler quand même, parce que la personne me dit ouais, t'es un joueur de FPS toi, tu traces tout droit, tu regardes rien, tu... Bah non, désolé, je suis pas du tout un joueur de FPS, au contraire, il y a vraiment à peine 2 semaines que je me suis réellement posé sur des FPS, jusque là j'avais vraiment jamais accroché, donc le FPS c'est Advanced Warfare, et si je trace comme ça, si j'explore pas tous les endroits, ce que je ferais normalement à l'habitude, hein, parce que moi je suis justement plus un joueur de genre Zelda, des trucs comme ça, où tu cherches bien tout, j'aurais tendance à un peu trop chercher tout. Du coup, ça je préfère me le faire moi-même tout seul, et puis vous présenter une vidéo un minimum fluide où je passe pas 3 heures à tourner en rond, à chercher des trucs que je trouverais peut-être pas, ou que je trouverais de temps en temps, ou enfin bon bref, on n'est pas là pour passer non plus passer 5 heures sur un épisode, donc déjà que des épisodes en traçant assez rapidement ça va de une demi-heure à une heure, voire un peu plus selon si on est bon ou pas. Je trouve que c'est largement suffisant. Après, je sais pas pour vous, vous pouvez me dire, hein, peut-être que vous préférez vraiment que je passe beaucoup plus de temps à chercher tout à droite et à gauche, mais selon moi, personnellement, je préfère regarder un truc qui est plus fluide, qui avance et qui traîne pas en longueur, ou t'es pas obligé d'avancer toi-même dans la vidéo parce que ça te saoule au bout d'un moment, quoi. Tant que c'est toujours à avancer en action, enfin je sais pas, après c'est à vous de me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Oula, je crois que j'ai... Putain, il est pas mort. Bon, bah écoute, tant mieux. Je pensais pas qu'elle était aussi haute l'échelle. Oula. Ou à explorer ce qu'il y a avant. Ah bah c'est le truc du début, hein, c'est l'espèce de gros bain dégueulasse dans lequel tu tombes au début du jeu dans le niveau 1. On va pas y retourner, je vois pas l'utilité d'aller faire une baignade là-dedans. Ouais, c'est bien cet endroit. Ah, Leslie. Waouh. D'accord, bon, c'est pas grave. C'est un peu chelou leur truc. On va aller voir ce qu'il y a là. Après, j'ai testé aussi, j'avais un autre commentaire de quelqu'un d'autre qui m'avait dit ouais, attends, c'était quoi déjà? Ah oui, pourquoi je brûlais pas les cadavres par terre, parce que ça donnait plein de munitions. Je me trompe peut-être, hein, parce que j'essaie de regarder vite fait comme ça. Mais c'est pas le fait de les brûler qui donne les munitions, hein, c'est vraiment le fait de le tuer. Hein. À partir du moment où le tue, s'il a des munitions, il te les donne. Et s'il en a pas, il te les donne pas, hein, que tu le brûles ou pas. Alors si je me trompe aussi, dites-le moi, hein, ou on va voir dans le... Au pire, je ferai des tests dans la vidéo en elle-même. Mais il me semble pas que le fait de cramer... parce que quand tu le tues, il te donne des munitions. Donc ça arrive souvent qu'il te donne des munitions. Et il me semble pas avoir eu des munitions supplémentaires une fois après avoir cramé le mec. Donc
Je pense que tu t'es trompé. Après, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais il me semble que tu t'es trompé. Ok, donc ensuite. Voilà. Ah merde, et c'est fermé, non, en fait, il n'y a plus rien. Ah, il y aura une échelle avant ici. Il n'y en a plus. Bon, et pas grand chose hein, pour l'instant. Ça va venir, je le sens. Puis quand ça va tomber dessus, ça risque de pas être la même. De l'eau. Ça doit pas être super agréable quand même hein. Avec ta tenue de d'il y a 3 mois là, blindé de sueur, de flotte. Et puis il m'attendra pas. Comme là, par exemple, je pourrais passer quelques minutes à faire tout le tour du truc. Je vais pas faire tout le tour. Je regarde vite fait, comme ça, il n'y a rien. Là, hop, terminé. J'ai passé 2 secondes à un endroit où j'aurais pu y passer 10 minutes. Mais bon, voilà. Je pense pas que ce soit très intéressant pour vous de me regarder tourner tout autour de la cour pour chercher s'il n'y a pas un petit objet ou une petite statuette avec une clé. Ah mais il n'y a plus le truc, c'est directement là. Ok. Mobius. Bon bah écoute, hein, rien à faire là. Hop, on trace. Et c'est le couloir du début ça. Là c'est le couloir avec les flics. Évitez l'œil de Rubik.
attention à son œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez bien. Par contre, lui, je vois pas qui c'est. Il a l'air complètement perché, ce bonhomme. Ouais. Ah, mais. Le pauvre. Qu'il repose en paix. Le connard. L'autre, je le crame avant de regarder ce qu'il a comme un as. Puis l'autre, pendant qu'il est en train de cramer, le pauvre, qu'il repose en paix. T'as pas gueule la gueule, toi. Bon. Alors, d'accord, déjà, il était même plus dans la pièce de tout à l'heure. Ah. Bah tiens, regarde. Qui c'est qui là? Les flics du début. Qui courent comme des ratés. Hop, t'es mort. Hop, t'es mort, t'es mort. Et toi, bah non. Toi, il te tue pas, je sais pas pourquoi t'étais. Alors les trois autres, ils te les tuent en un quart de seconde, mais toi non, je t'étrangle, je te laisse le temps de me cramer. Ça se fait que t'arrives à ce moment-là. Là, je comprends pas du tout. Oula. Là, tout de suite, ça s'annonce un peu plus mal. Là, je devrais affronter quelques zombies et quelques monstres, ça ne m'étonnerait pas. On va s'équiper. Ça arrive de là. Allez, monte. Des pièces, ça je vais avoir bien besoin. Hop, alors. On va prendre ça. Et merde. Tu vois, là m'a donné un objet et je l'ai pas cramé. Je vais la cramer. Tu vois, là, il y a un objet aussi, je l'ai pas encore cramé. Ah, je crame. C'est pas pour autant que je vais avoir des objets supplémentaires. Ah, vas-y, oh! Barre-toi. Putain, il y avait un boss. Oh le gros lard, là, hop. Il a du mal à monter quoi, tellement il est gros. Donc là il n'y a rien hein, je le crame. Eh putain, j'allais le cramer en plus là. Tiens, regarde, crame avec là, saloperie. Ces espèces de mains chelous là. Ça y est, mec.
là. Cours. Eh mais... Vas-y, elle vient où? Jusqu'où tes mains, là? Putain. Carreau explosif. Voilà. Hop. Voilà. Merde. Mais non, mais pourquoi je m'approche de lui, moi? J'ai trop de mal à chaque fois que c'est carreau explosif, je suis trop emboulé. Bon, lui, il roule pas droit. Hop, dégage. Bon, il récupère ça. Ce qui va me tomber dessus encore. Bon, il est où là? Ah, c'est que c'est là-bas, d'accord. Alors, ouais, il m'en reste 3. Et merde, tiens. Mais il y en a combien là? Oh, il y en avait. Putain, mais il débarquait d'un endroit tout à l'heure, il y en a de tous les côtés. C'est bien, j'ai passé à travers. Eh bien. Eh! Ah ben, trop facile. Je crois qu'il s'apprêtait même à venir me poursuivre avec sa tronçonneuse là, mais il n'a même pas eu le temps. Ça serait pas fini, que ça m'étonnerait pas. Alors, analyse. Là y'a rien. Ouais, ça a l'air bizarre cette histoire. D'accord.
Elle est bien star. Par contre, je suis pas convaincu que j'arrive à t'avoir, ça bouge tellement. Eh bah tiens, c'est qui? Il est où? C'est qui m'a tiré dessus? Ah, j'ai plus de balles! J'ai plus de vie. Alors, il n'y en a qu'un. Alors, attends, on va chercher les trucs. Ah, marcheur à cerveau. Ou je sais pas quoi. Eh, ça va, ouais, oh! J'ai rien brûlé encore, j'ai ramassé des trucs, il n'y a plus que des trucs à brûler. Et même en les brûlant, on ramasse rien de plus que ce qui était donné à la base. Donc ça ne sert strictement à rien de les brûler, parce qu'une fois qu'ils sont morts, ils ne reviennent pas de toute manière. Moi j'ai pas fait le jeu en hard, enfin très difficile, mais peut-être que il y en a qui reviennent à la vie en très difficile, mais pas en normal. Alors, qu'est-ce qui m'attend ici? Oh non, ça j'aime pas. Attends, viens par là, toi. C'était juste. Bon. J'aime pas ces trucs-là. Ça ne laisse rien de présager de très bon. Putain, mais elles sont plus rapides. Ok, bon. Encore ça. En fait, il n'y a rien ici. Ah bah si. Oh, deux. Oh. Deux en même temps. Pas passer. Alors on va voir si je fais ça. Mais non, mais quelle tête de con quoi! Putain, t'es vraiment débile quoi, le truc qui met 3 heures à se remettre là. Putain, et puis ils sont furieux, ils courent quoi. Ils font quoi? Je suis là. Hein. Oh.
Merde. Ça. On va faire au carreau explosif, tu vois. Ah ben bien déjà. Le deuxième, on va électrocuter. Voilà, saleté. Une petite porte qui apparaît. Putain, 16 000 quand même. J'ai même l'impression qu'on est tous prisonniers dans ton monde. Alors, ouais, j'imagine qu'il faut pas qu'il boive avec ses lumières. Et ouais, c'était bien ça. Bon, on recommence. Et merde, tiens. Mais non, mais putain, à chaque fois je me trompe de bouton là, tu peux... c'est l'autre pour se pencher, bordel. Bon, alors... pas intérêt à me prendre un truc, moi. Cool.
Ramène-la encore. Putain, mais... Par contre, c'est un peu plus en ruine que tout à l'heure. Ouais. C'est pas foutu pareil ici. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'est tout en bordel, il n'y a même plus de chaise. Voilà. Je peux toujours pas y aller. Si je m'en sors vivant, plus jamais je monte dans un ascenseur. Oh, pauvre petit. Moi je me dirais plutôt, si je sors vivant, jamais je rentre dans un hôpital psychiatrique plutôt. Plus qu'un ascenseur en soi-même. D'accord, alors... Tirer dessus, faut aller là-bas. Non. Ah, mais il s'écarte tout seul. Mais c'est moi. Bah tiens, regarde. Qui c'est qui est accroché à la machine que je disais depuis le début? Ah, en fait, on est tous accrochés à ce truc chelou là, et on est tous dans la tête de Ruvik en fait. Sébastien, éloignez-vous de lui. Enfin, je crois. Sébastien, écoutez-moi. Arrêtez. Vous avez les mêmes intérêts que nous. Ça va, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas qu'une nouvelle recrue, et lui n'est pas qu'un garçon ordinaire. Vous avez tué Joseph et tiré sur moi. Donc à ce stade, j'ai de très bonnes raisons de ne pas vous faire confiance. Tu m'étonnes. Vous êtes un type bien. C'est pour ça que... Ça n'a plus d'importance. Mais oui. Si vous avez tout compris, comme vous semblez le croire, vous savez pourquoi je ne peux pas le laisser vivre. Connerie. C'est Ruvik. C'est lui qui a... Depuis pour rien du tout, on a mieux fait de lui foutre une balle depuis direct, mais c'est pas. Ça aurait été plus judicieux. Ah.
T'as les vieux fils de gluant sur lui, c'est dégueulasse. Et puis il y en a plein de petits cerveaux un peu partout, enfin de gros cerveaux un peu partout. D'accord, un petit bout de cerveau. Ah non, c'est qu'il y a une espèce de gros rouge, dégueulasse. Ah, ce serait une bonne miniature pour la vidéo. Comme ça, c'est réglé. Déjà c'est bien, il va avoir un dentiste, il a un appareil dentaire. C'est bien, n'empêche, c'est pas beaucoup de monstres comme ça qui font des efforts pour leur apparence. Parce qu'il en a à faire, hein. Encore du taf. Ouais, comme par hasard. Allez hop. Mitraillette. Je meurs pas, ça fait partie du truc. Oh bah regarde, qui c'est qui tombe comme une fleur avec son bazooka dans la main. Ok, alors on va là. Qui évite les trucs comme ça. Il m'en tête. Eh oh. Eh oh. Mais putain, il est nul là. Quoi ce visage de merde là? Voilà. D'accord. Mais putain mais... J'ai plus de balles. La grosse arnaque. Ah, je te jure. Bon, déjà, je sais pas où il les a trouvés, les 10 roquettes. Normalement, il devait y en avoir qu'une. Enfin, je peux pas, mais il y en a même plus de 10. Ah
Vas-y là, c'est quoi ces roquettes aussi là? Putain. Ouais, d'accord. N'importe quoi. Tout à l'heure, j'en ai foutu au moins un 3 dans la crâne. Rien à foutre, quoi. Puis là, j'en fous 2, c'est bon, quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Bien répugnant. Ah, j'imagine bien du trait avec un truc accroché dans le crâne, quoi. Puis tirer, il est gentil, toi, tu se trouves, le machin il est accroché, tu vas te tirer, tu te décérébrères tout, enfin tu niques le cerveau. Je n'en suis pas prisonnier. Ah bah non, tiens. Ruvik. Ouais, va les casser, d'en finir. Là, t'es plus le prisonnier maintenant. Et puis on va l'écraser. Ça. En plus de ne plus être prisonnier, tu seras mort. Pour de bon. Hop. Regardez celui-là. Mais c'est qui elle en fait, quoi? Laissez-le. Ceux-là aussi. Ils n'iront nulle part. Nous non plus. D'accord. Ben, est-ce que j'étais encore dans la machine? Ah non, j'étais même plus connecté. Ah, c'est juste qu'ils m'ont laissé poser dedans. Ouais, en fait, tout le monde était connecté au même truc. Et alors, qui c'est qui nous a connecté? Parce que s'il y avait le médecin et tout ça, c'est la meuf, quoi. C'est la meuf qui était derrière tout ça, là. Il cherchait à avoir des infos ou des trucs par rapport à Ruvik. Witcher Leslie. Non, Weather. Le couloir du début. Quel carnage, quoi. Allez hop, la sortie.
Oh, des vrais flics. Go, go, go! Inspecteur, vous allez bien? Il y a des survivants? Tenez-moi. Seulement un petit peu d'air frais. Ouais, tu m'étonnes. Bon, ça s'appelle pas les six. Il a trop une démarche masculine pour que ce soit lui. Regarde-le, là. Comment il marche, là. Rien à voir avec Leslie. Chelou. Faut voir le 2, quoi. On verra bien le The Evil Within 2, ce que ça donne, parce que bon, ça éclaircit sur quelques petits trucs, mais ça reste quand même une histoire assez avec beaucoup de zones d'ombre. Donc bon, c'est la fin, c'est pas la fin, ouais, si c'est la fin. Donc voilà, c'était donc le dernier chapitre de The Evil Within, le chapitre 15. Je vous ai présenté, bon, pour ceux qui les auraient pas vus, vous avez aussi la possibilité d'aller les re-regarder. Donc j'ai fait de l'épisode 1 à l'épisode 15, donc une vidéo par épisode. Et bah écoutez, si ça vous a plu, vous avez la possibilité de le dire dans les commentaires. Je sais qu'il y en a certaines qui ont fait un peu plus de vues que d'autres. Pourquoi, comment, je sais pas. Parce que certaines ont fait juste 200 vues alors que d'autres en ont fait 2000. Je sais pas trop. Enfin bon, bref. Puis personne ne dit spécialement si vraiment par deux ou trois qui ont l'air vraiment de vouloir la suite. Enfin, qui avaient l'air de vouloir la suite. Sinon, j'avais pas spécialement de commentaires là-dessus. Donc je sais pas trop si la grande majorité sur ma chaîne ont envie de continuer à voir ce genre de vidéos sur ma chaîne. Donc bah, je vous invite à tout simplement laisser des commentaires et à dire ce que vous voulez, ce que vous avez à dire par rapport à ça, ce que vous en pensez, si vous avez des trucs, des conseils ou autres, n'importe, vous avez la possibilité de le faire dans les commentaires de la description de cette vidéo. Donc voilà, The Evil Within sur ma chaîne, ça va être fini, parce que bon, il n'y a pas spécialement de glitch à faire là-dedans, il n'y a rien d'intéressant, ça ne servira à rien. C'était juste, moi j'ai fait ça parce que ça me plaisait vraiment, j'aime beaucoup ce jeu, et puis que, enfin, j'aime beaucoup ce style de jeu, et après, en particulier, celui-là était très bien fait. Donc, parfait, quoi. Je me suis dit, tant qu'à faire, hein, on pourrait présenter ça. Après, c'est vous me dites, quoi. Et puis, donc, voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite série sur The Evil Within vous aura plu. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de vous porter bien. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!